Tâche 10. Dans la feuille de calcul résumé, insérez une formule dans la cellule G2 qui additionne les valeurs de la cellule F9 des 4 feuilles années 2006, 2007, 2008, 2009. Ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions 3D. Ça veut dire les fonctions qui dépassent les frontières d'une seule feuille. Donc, pour faire ça, on va sélectionner J2. Donc, c'est ça. Donc, la cellule J2. Et on va taper la formule égale. On va utiliser la somme, la fonction somme. On ouvre les parenthèses. Après, on va cliquer sur 2006, la feuille 2006. Et on va sélectionner F9, la cellule F9. Voilà, après, on va cliquer et maintenir la touche Shift enfoncé et on va cliquer sur la feuille, la dernière feuille 2009. Voilà, comme vous pouvez constater sur la barre de formule, somme 2006 2.2009, ça veut dire de 2006 jusqu'à 2009, F9. Pas la peine de fermer les parenthèses, on va cliquer sur Entrée. Et voilà le résultat. La deuxième question. Dans la feuille de calcul 2006, créer et appliquer une règle de mise en forme conditionnelle à la colonne prix de façon à ce que les cellules contenant une valeur supérieure à 100 apparaissent avec une couleur de remplissage jaune et une couleur de police jaune foncé. Les cellules contenant une valeur inférieure à 100 doivent apparaître avec une couleur de remplissage rouge clair. Alors, on va sélectionner la feuille 2006. On va sélectionner la colonne prix, les valeurs de la colonne prix. Et dans l'onglet accueil, on va dans le groupe style, on va cliquer sur mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surveillance des cellules supérieure à 100. On va taper 100. Et on va choisir la couleur demandée. C'est remplissage jaune avec police ou bien texte jaune foncé. Voilà, on valide par OK. Et dans le même groupe, on va revenir pour faire ou bien appliquer la deuxième règle inférieure à 100. Et le remplissage, c'est rouge clair. OK. Et merci.